Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, c'est un 2 en 1, c'est-à-dire je vais vous parler du filament Eason, puis je vais vous parler aussi de comment bien imprimer le filament. Quelques trucs du moins que j'ai développé avec le temps. On va parler de 3 sortes de filaments, même à vous dire 4. On va parler du PLA, et le PLA avec du bois dedans ou du bambou comme ce cas-ci. Je vais vous parler du PETG et je vais vous parler du nylon ou du PA, dépendamment comment vous l'appelez. Donc, on va regarder comment bien imprimer ces 3 filaments-là, puis je vais vous donner aussi en même temps mon évaluation du filament Eason. En commençant, je veux remercier 3D Printing Canada qui m'a envoyé ces filaments-là pour tester. Comme j'avais déjà testé du Eason, ça fait très longtemps, 3D Printing Canada m'en a envoyé quelques roulettes, quelques bobines pour que je puisse les essayer et que je puisse donner mon évaluation sur ce filament-là. Donc, on va commencer immédiatement avec le PLA. Alors, ce que j'ai imprimé en PLA, je vais vous parler de ce PLA-ci. Alors, je ne me rappelle pas des couleurs par cœur. Alors, celui-là ici, c'est le magenta. On va enlever ça avant que ça retombe. Alors, magenta rouge. Pas tout à fait rouge, mais vraiment magenta. De Eason. C'est du PLA. Et j'ai imprimé aussi le petit cochon ici, qui est une tirelire qu'on peut dévisser le dessous. Qui, lui, c'est le E-Twinkling Eason. C'est du PLA, mais avec des brillants dedans. Donc, c'est ça. Alors, ces deux pièces-là sont en PLA. Puis, on va parler de ces deux-là pour commencer. Celui-là aussi est en PLA, mais je vais vous en parler après. D'accord? Donc, le PLA, j'ai des feuilles ici parce qu'il y a quelques termes techniques. Donc, en gros, le PLA, c'est le filament probablement le plus connu. C'est le plus utilisé, puis c'est le plus accessible. Donc, pour 1 kg, c'est lui qui revient le moins cher en général, le PLA, du fait qu'on en produit beaucoup. Aussi, si vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire PLA, c'est pour polyactique acide. Alors, polyactique acide, PLA. Puis, c'est fait à partir d'amidon de maïs. Donc, ceux qui sont allergiques, par exemple, à certains produits comme le gluten, si le filament serait fait à partir de blé, je pourrais probablement pas travailler avec car je suis allergique au gluten. Alors, mais là, c'est à base de maïs et j'ai pas de problème avec le maïs. Donc, c'est vraiment une chance pour moi qu'il soit fait à partir d'amidon de maïs. Ce qui veut dire aussi que c'est un bioplastique. Donc, c'est théoriquement, c'est biodégradable. Je sais pas jusqu'à quel point, mais semble-t-il que c'est biodégradable. Alors, vous allez voir, ici, j'ai des feuilles, mais pour chacun des matériaux, je vais utiliser les mêmes barèmes. Donc, le fini du PLA, c'est un fini très beau. C'est facile d'avoir de beaux résultats avec le PLA. Et puis, on a différentes variétés. On a le bois, comme lui ici, ou le bambou. On a avec des brillants dedans, métal, carbone. Alors, on peut en avoir avec, des, par exemple, 30% de métaux. J'ai du PLA avec 30% de métaux. Je crois que j'en ai ici. Non, on va voir. J'ai du Eason avec du métaux dedans, qu'on va voir dans une autre vidéo. Ensuite de ça, la buse, ça s'imprime entre 190 et 220. Plateforme. Belge chauffant ou non. Chauffant, c'est entre 0 et 60 degrés, dépendamment de ce qu'on met dessus. Le coût moyen, c'est entre 15 $ canadiens ou 10 euros jusqu'à 45 $ ou 30 euros le kilo. Alors, c'est ça. C'est recommandé pour les débutants et plus. C'est-à-dire, si vous commencez à faire de l'impression 3D, vous pouvez utiliser le PLA. Il n'y a aucun problème. Résistance, j'ai mis 4 sur 5. Le PLA, en passant, les résistances 4 sur 5, puis les autres, c'est selon mon évaluation. Peut-être que vous aurez d'autres points de vue là-dessus. Mais 4 sur 5, c'est quand même assez résistant. C'est ça si je compare au polycarbonate ou au nylon. Alors, c'est des filaments qui vont être à 5 sur 5 de résistance. Mais si je compare, par exemple, au flex ou à d'autres matériaux, ben le PLA est quand même assez résistant. Flexibilité 2 sur 5, vraiment pas beaucoup flexible. Alors, 1 sur 5, par exemple, ce serait le polycarbonate. Et puis, 5 sur 5, ce serait le TPU. Lui, je donne 2 sur 5. Durabilité, je lui ai mis 4 sur 5 s'il n'est pas exposé aux intempéries. J'ai des pièces ici en PLA que j'ai depuis plus de 2 ans puis qui sont encore en très bon état. Mais si je les expose aux intempéries, par exemple, aux rayons UV, aux mauvaises conditions, après un an, ils vont être très, très cassants, décolorés. Donc, durabilité, j'ai mis 4 sur 5 s'il n'est pas exposé aux intempéries. J'ai des pièces à l'extérieur, par exemple, j'ai une pièce pour tenir un parasol que j'ai fait en ASA, c'est-à-dire c'est comme de l'ABS, mais qui résiste au UV, au rayon UV. Donc, facilité d'impression, je l'ai mis 5 sur 5, c'est vraiment quelque chose qui est facile à imprimer. Déformation 1 sur 5, il n'y a pas beaucoup de déformation. Il y a une légère déformation, il rapetisse un peu quand il refroidit,
mais à peine. Rien à voir, par exemple, avec le polycarbonate, qui, lui, le pourcentage de déformation est très, très élevé. Ensuite, sur quoi ça adhère? Alors, ça adhère à peu près sur n'importe quoi. Ça adhère sur du verre, du ruban peinturé, de la colle PVA, colle en bâton, Biltac, Mamoruba, Ultrabase, Superplate, fixatif à cheveux, etc. Le PLA adhère à peu près à n'importe quoi, tant qu'idéalement, c'est d'avoir un bed entre 45 et 60 degrés. Normalement, avec ça, là, j'ai aucun problème. Si je veux imprimer sur du verre froid, ça risque d'être un peu plus difficile. Ça va prendre, par exemple, du ruban en peinture, du tape bleu, comme on dit, ou du tape vert. Puis, si je veux imprimer sur du verre froid, je peux le sabler aussi, ce qui va aider. Mais idéalement, un verre chaud, ça va très bien coller aussi. L'odeur, c'est pas du tout désagréable. Ça sent un petit peu sucré. Alors, des fois, je descends dans mon sol, puis il y a une odeur sucrée. Alors, c'est assez agréable. Cependant, faites attention, il y a certains filaments, comme j'ai du filament avec un pourcentage de chanvre dedans. Alors non, il n'y a pas de THC dedans, c'est du chanvre commercial. L'odeur est terrible, ça irrite les voies respiratoires. Si on en prend avec du bois dedans, ça a une bonne odeur de bois chauffé. Alors, il y a différentes odeurs. C'est pas le PLA pur, si on veut, là, va avoir une odeur sucrée. Mais si vous ajoutez d'autres matériaux dedans, ça se peut que ça sente plus ou moins bon. Problème connu, résiste mal au UV. Puis, ceux avec des particules, par exemple, comme des particules de bois ou de métal, doivent s'imprimer avec une buse de 0.5 et plus. Alors, si vous imprimez avec une buse de 0.4, il y a certains qui vont fonctionner, mais vous avez des chances d'avoir des obstructions dans votre buse. Donc, moi, personnellement, je l'imprime avec une buse soit de 0.6 ou de 0.8. J'ai une Tornado ici en arrière qui est très modifiée. Il y a une buse de 0.8 dessus. Puis, par exemple, celui-ci a été imprimé avec une buse de 0.8, une couche de 0.2. Alors, j'ai aucune obstruction. Je peux imprimer du métal avec. Il faut faire attention. Ceux qui ont, par exemple, du carbone ou du métal dedans vont être très abrasifs pour les buses. Donc, il faut faire attention à ça. Pour avoir un beau fini avec le PLA, je vous recommande, je vais vous montrer, le petit cochon qui est ici. Là. Le fini est quand même très bien. Ça a été imprimé sur la Ender 3. Je suis en train d'imprimer un Benchy, justement. Alors, des trucs pour avoir une belle finition avec le PLA, c'est d'imprimer lentement. Alors, si vous imprimez à 30-40 mm par seconde, vous allez avoir un très, très beau fini. Ensuite, activez la roue libre ou le coasting en français ou en anglais, c'est-à-dire qu'il va arrêter d'extruder à la fin de son périmètre, si vous voulez. Là. OK? Je l'ai mis à 0.1 ou 0.2, dépendamment des matériaux. Il y a des matériaux, des PLA, par exemple, qui vont porter à plus d'expansion, un peu comme le bois. Alors, le bois, je le fais arrêter à 1.15 à peu près, tandis que le PLA standard, je mets la roue libre à 0.1. Ça, c'est dans Cura. Dans Simplify 3D, ça s'appelle coasting en anglais. Faire une rétraction entre 5 et 6 mm, ça peut être 6.5 mm à 30 mm par seconde. Vous allez être certain de ne pas avoir de stringing, c'est-à-dire des filaments. Vous savez, mettons que vous avez deux poteaux puis vous avez des filaments indésirables entre les deux. Ça ressemble un peu à des toiles d'araignée, ça s'appelle du stringing. Si vous faites une rétraction de 5 à 6 mm, normalement, il n'y a pas de problème à 30 mm par seconde. Puis, il y a une fonction aussi qu'on peut avoir, c'est dans Simplify 3D, c'est un petit peu plus facile que dans Cura. Mais par exemple, le petit cochon est positionné comme ça sur mon bed. Je peux dire que toutes les couches commencent par ici. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des petits picots partout, alors je peux sélectionner où est-ce que je vais avoir une ligne, comme sur le petit cochon, on le voit ici, là, il y a un petit peu de ligne ici. Mais ou sur le Moai, ici, on le voit aussi, la ligne est ici. Mais ça permet d'avoir tout le reste de la pièce super belle. Donc, puis celui-ci, je crois que je l'ai fait aussi. Oui, je l'ai fait aussi. Puis lui, c'était... vous voyez, j'arrive même pas à le voir. Ici, j'ai eu un petit problème avec une couche. Je crois que mon filament est resté coincé. Ça fait une petite ligne dedans. Pour votre information, ça ici, ça a été imprimé sur la Ender. Celle-là ici, sur la Mamorubot, la SX4 qui est en arrière là. Et puis, celle-ci sur la Tornado qui est lourdement modifiée. Alors, c'est mes trois PLA. Quoi d'autre? Alors oui, c'est important de faire partir la couche sur un coin. Mettons sur un Benchy comme ça ici pour avoir un Benchy parfait. Vous le faites partir sur un coin comme ça. Vous avez un bed de 220 par 220. Vous le mettez 0 en X et 219 ou 220 en Y. Comme ça, puis si votre pièce est placée comme ça, toutes les petites cicatrices vont être sur un coin et ça ne paraîtra pas. Évidemment, si vous avez quelque chose de rond, bien, ça va paraître un petit peu plus, mais bon. À vous d'ajuster l'impression pour ça. Et puis, évitez de croiser les parois lors de l'impression. Alors, vous avez votre surface ici. Évitez que la buse dépasse les parois. Autrement dit, votre buse va se déplacer comme ça au lieu de croiser la paroi. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des petits peu de filaments qui sortent. Puis, lorsqu'il se déplace sur la paroi, ça fait un genre de petit bouton sur la paroi. Donc, vous pouvez cocher ça. C'est une option qu'il y a dans Simplify 3D et dans
Cura aussi. Donc, c'est pour le PLA. Maintenant, je vais vous parler de ces deux-ci, puis je vais vous parler de lui après. On va commencer avec le magenta. Super facile d'imprimer. Vraiment facile d'imprimer. J'ai fait des tests avec différents filaments de Eason, et puis c'est difficile à rater. Je l'ai essayé entre 190 et 225 degrés Celsius. Dans tous les cas, j'ai eu du bon résultat. À 190, l'adhérence entre les couches était moins bonne un petit peu. À 225, j'avais pas plus de stringing, mais le filament très, très, très luisant. Et puis, j'ai pas eu d'obstruction de buse, j'ai pas eu de stringing, j'ai pas eu... Bref, le filament est super bon. Je suis surpris d'Eason. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu moins... quelque chose de plus bas de gamme, on va dire. Mais non, le filament est résistant, le filament est beau, le filament n'est pas cassant. Puis, le fini est excellent. Celui-là, ici, a été imprimé à 215 pour avoir un effet un petit peu plus lustré. Puis, il est super beau. Alors, si vous voyez que la peau est comme toute cabossée, on pourrait dire ça comme ça, c'est que le design est fait comme ça. Le design n'est pas fait lisse. Alors, il y a une texture sur la peau. Mais c'est vraiment très, très content du magenta. Le, comment est-ce qu'il appelle, le e-twinkling, ou le brillant, c'est le bleu avec du brillant dedans, il est vraiment beau. Alors ça, c'est une tirelire qui est imprimée à 0.2, et puis le filament était précis, puis je l'ai imprimé sur la Ender, celle-ci, avec le direct drive de micro suisse après. Puis super facile, premier coup, j'ai pas eu de finition à faire, j'avais pas de petits boutons dessus ou de stringing non plus. C'est une buse de 0.4, j'avais peur d'avoir des obstructions de buse à cause du brillant, mais non. Même si les brillants ont de l'air relativement gros, ça ne l'a pas bouché du tout dans la buse, puis je peux rentrer des sous par les narines. Alors, en passant, je vais mettre les modèles dans la description de la vidéo. Donc, ça, c'est pour ces deux-là. Très, très satisfait du PLA, pour de vrai. Je dirais qu'avec le Neat, c'est un de mes préférés à date. Le Eason, très bon résultat dès le début. Maintenant, on va parler de lui, qui est le filament de bambou, qui est celui-ci, qui vient en rouleau de 500 grammes. Faites attention, il ne vient pas en rouleau d'un kilo, il est un petit peu plus cher. C'est marqué Bamboo Natural, filament natural. Bon, je vais parler de l'odeur. L'odeur était juste fantastique. Il sentait vraiment, vraiment, vraiment bon, le bois. J'ai eu d'autres filaments de bois qui sentaient le bois, mais celui-ci sentait particulièrement bon, mais on n'imprime pas pour l'odeur du filament. Mais regardez la finition de cette pièce-là. Écoutez, on voit même pas les traces d'impression. On voit même pas les lignes. Puis le toucher, il est comme rugueux. Puis je pourrais le sabler, je pourrais probablement le finir parce qu'il y a quand même pas mal de quantité de bois dedans, mais c'est juste fantastique. C'est mon filament de bois préféré à date. J'ai essayé du Neat, j'ai essayé du Value, j'ai essayé toutes sortes de marques de filaments de bois, mais celui-ci de bambou est exceptionnel. Il est très filamenteux. Filamenteux, c'est fibreux. Excusez-moi, filamenteux. Du filament filamenteux. Du filament fibreux. Il est très fibreux. Il me semble quand même assez abrasif sur la buse. Si j'avais une buse de laiton pour ça, je vais probablement la changer après si j'en imprime d'autres. Il est un petit peu plus cher aussi, je n'ai pas les prix, mais vous pouvez cliquer sur les liens, là, vous allez voir les prix. Écoutez, je vous le recommande, il est super, super beau. Je crois que je l'ai mis sur Facebook, là, mais c'est une de mes plus belles impressions à vie, du moins celle qui est le plus... Écoutez, je le mettrais sur une étagère, les gens ne pourraient pas savoir que c'est une impression 3D, sauf s'ils regardent ici, là, on voit qu'il y a un petit peu de cicatrice de couche, mais sinon, c'est impossible à savoir que c'est une impression 3D, c'est juste fantastique. Donc, ça c'est pour le filament de bois, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je vais juste mettre celui-ci de côté pour laisser la place aux autres. Maintenant, on va parler du PETG. Alors, je vais le mettre ici à l'arrière. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient de la misère avec le PETG. Alors ici, j'ai du PETG noir. De Eason, il s'appelle simplement Solid Black. Le PETG, je vais en parler du PETG. J'ai ma feuille ici, avec les différents points sur le PETG. Personnellement, c'est un des filaments que j'aime le plus, le PETG. Alors, du fait qu'il est un petit peu... Il est pas mal plus résistant, d'accord? Puis moi, je fais beaucoup de pièces fonctionnelles. Alors, pour moi, le PETG, il est quand même facile à imprimer versus le polycarbonate ou le nylon. Il est beaucoup plus facile, mais il est extrêmement résistant. Par exemple, j'ai des supports au plafond pour tenir mes lumières en avant. Puis, je les ai faites en PETG parce qu'en PLA, j'aurais peur que ça brise. Le PETG est beaucoup plus
résistant que le PETG. Donc, je vais vous parler du PETG. Donc, c'est un filament quand même commun. C'est quelque chose qu'on trouve. Relativement facile à imprimer, cependant, cause beaucoup de soucis d'adhérence à la plateforme et aussi d'obstruction dans la bulle. Donc, c'est les deux gros problèmes qu'on a avec le PETG. Alors, son nom, c'est pour polyéthylène téréphtalate glycol. Alors, vous comprenez qu'il y a des P, des E, des T puis des G. Le G, c'est pour glycol parce qu'il y a aussi du PET, il y a du PETT, du PETG, tandis que celui, c'est du PETG. Alors, l'origine, c'est un polymère qui date de 1941. Puis maintenant, c'est un des... je ne sais pas si on peut dire que c'est du plastique, probablement, oui. Je ne suis pas chimiste, là, mais c'est un des matériaux les plus utilisés au monde à cause des bouteilles d'eau. Alors, les bouteilles d'eau sont faites en PETG, principalement. Vous savez, les bouteilles d'eau normales, c'est fait en PETG. Le fini, c'est possible d'avoir un beau fini, mais c'est souvent un peu moins beau que le PLA. C'est plus facile d'avoir un beau fini avec du PLA. Vous allez voir, le dragon n'est pas laid du tout, mais en PLA, il aurait été un petit peu mieux encore. D'accord? Mais on peut avoir quand même un beau fini. Il y a différentes variétés. On peut l'avoir du PETG au bois, PETG avec du brillant dedans, PETG métal, PETG carbone. En passant, le PETG avec la vraie fibre de carbone, là, on pourrait construire un tank avec ça, je pense. J'exagère, mais c'est extrêmement résistant. Cependant, il est très cher. Le PETG carbone est très, 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 très cher. La température, ça s'imprime entre 220 et 260 degrés. Donc, faites attention, si vous avez une buse avec un tuyau de PTFE à l'intérieur de la buse, normalement, c'est pas recommandé de passer 250 degrés Celsius parce que ça peut dégager, c'est ce que j'ai compris, quelque chose de neurotoxique. Donc, le PETG, faites attention à ça. Si vous voulez imprimer du PETG à 260 degrés, je vous recommande d'avoir une buse plein métal. Parce que le PTFE à 260 degrés, il n'aimera pas ça longtemps. Un, il risque de fondre puis causer du trouble. Puis aussi, ça peut dégager des vapeurs nocives. Donc, idéalement, le PETG ne dépassait pas 245-250 degrés, s'il vous plaît. Plateforme, ça prend une plateforme chauffante entre 50 et 65 degrés de ce que j'ai vu. Le coût moyen pour le kilo, entre 25 17 euros, c'est vraiment pas cher, et à peu près 50 35 euros. Vous pouvez en avoir du moins cher que ça. C'est assez rare qu'on ait du moins cher que ça, mais vous pouvez avoir du plus cher que ça aussi. Okay? Il y a du PETG, par exemple, carbone, qui peut valoir quasiment 100 le kilo. Niveau, je dirais intermédiaire et plus. Alors, c'est pas un filament pour débutants. Si vous commencez l'impression 3D, je vous recommande pas de commencer avec du PETG, commencez plutôt avec du PLA. D'accord? Résistance, je lui ai mis 4 sur 5 pour comparer, par exemple, avec le PLA. J'ai mis 4 sur 5 aussi. Cependant, j'aurais peut-être dû y mettre 4.5 sur 5 parce qu'il est un petit peu plus résistant. Il y a un petit peu plus de flexibilité surtout. Parce que la flexibilité, le PLA, t'as 2 sur 5, tandis que lui ici, je l'ai mis à 3 sur 5. Un petit peu plus flexible. Durabilité, j'ai mis 4 sur 5, un petit peu plus résistant, un petit peu plus durable, je dirais, que le PLA. Mais il ne faut pas qu'il soit exposé, lui, non plus aux intempéries. Facilité d'impression, 4 sur 5. Il n'est pas difficile. Il y a des matériaux beaucoup plus difficiles que ça. Mais il est plus, quand même plus difficile que le PLA. La déformation, je lui ai mis 2 sur 5. Il se déforme un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu plus que le PLA, mais moins, par exemple, que le polycarbonate. Adhère sur, et là, c'est le problème. OK, ça adhère sur du ruban à peinture, ça va bien. Du Biltac dans certains cas. Mamorubot dans certains cas. Mais ça imprime toujours bien sur le fixatif à cheveux. Moi, j'imprime le PETG uniquement que sur du verre avec du fixatif à cheveux. Et c'est là-dessus que j'ai de meilleurs résultats. Odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc, les problèmes connus, alors difficile d'impression parfois, fait plus de stringing, autrement dit de l'effilachage, et mon impression vient de finir. Ça fait un petit peu plus de stringing que le PLA, c'est-à-dire il va avoir des filaments entre deux espaces, ou deux, du moins deux sections de mon impression. Puis une longue rétraction, alors quand je dis longue rétraction, c'est autour de 5, 6, 7 mm, va causer des obstructions de la buse. Donc, tu vas avoir plus d'obstructions avec le PETG. Maintenant, pour avoir un beau fini, avoir un bon résultat avec le PETG, je vous recommande d'imprimer lentement, aussi à 30-40 mm par seconde. Activez la roue libre entre 0.1 et 0.2 mm. Si vous voyez que ça fait beaucoup de genre de boutons là, sur le côté, des genres de petites pustules, là, alors vous pouvez le monter jusqu'à 0.25, mais normalement jusqu'à 0.3 de roue libre, ça commence à être beaucoup. Vous allez voir des trous, alors c'est pas mieux. Faire une rétraction de 3 à 4 mm à 30 mm par seconde. Alors, c'est bien important de ne pas dépasser 4 mm. Moi, j'essaie de me tenir entre 2.5 et 3.5 mm de rétraction. OK? À 30 mm par seconde. Vous pouvez essayer de le monter à 40 mm par seconde, mais c'est là que ça va faire des obstructions un peu plus souvent. Ça va faire des obstructions dans le pont ou dans le heat break, qu'on dit en anglais. OK? Même chose pour avoir un beau fini.
faites-les partir sur un coin. Alors, mettez toutes les cicatrices de ligne à la même place. Évitez de croiser les parois, comme on a parlé pour l'autre. Pour un fini plus illustré, imprimez un petit peu plus chaud. Si, par exemple, vous avez votre filament dit, par exemple, celui-ci, de 230 à 250, moi, je l'ai parti à 240, puis je l'ai imprimé à 245 pour qu'il soit un petit peu plus illustré. D'accord? Si vous l'imprimez à 250, il va être plus illustré. Alors, plus vous le faites chauffer, plus il va être lustré. Cependant, si vous l'imprimez à 265 degrés, ben là, ça peut être dangereux parce qu'il peut dégager des particules dans l'air si le filament est brûlé. Il ne faut pas faire brûler le filament, c'est bien important. Puis, la meilleure surface d'adhérence rencontrée est le fixatif sur du verre. Maintenant, j'ai imprimé ce dragon-ci en flex. Je vais vous le montrer. Le résultat est très, très beau. Évidemment, on voit, je l'ai imprimé sur du verre avec du fixatif à cheveux. Puis mon fixatif à cheveux n'était pas... bien nettoyé. Je l'ai poncé un petit peu avant avec un tampon à récurer pour qu'il y ait plus de mordant. Mais on voit que c'est quand même très bien. Hein? On voit quelques petites cicatrices d'impression, mais le fini est quand même bien. Il est quand même très lustré. Le PG, en tout cas celui-ci, celui d'Eason, a un très très beau fini. J'ai eu aucun problème d'impression. J'ai eu pas d'obstruction. Le filament n'a pas coincé dans le pont ni dans la buse, rien de ça. Puis quand je l'ai décollé, ça l'a bien été, ma pièce n'était pas du tout collée. Autrement dit, quand j'ai bougé la tête ou les ailes, ils n'étaient pas collés ensemble. Donc, ça veut dire que le pontage était quand même bien à 245 degrés. Je n'ai pas utilisé de refroidissement. Ça a pris pas loin de 15 heures à imprimer cette pièce-ci, parce que c'est un gros dragon, évidemment. Puis, il est très résistant. Alors, parce que le PG est vraiment le fun à travailler pour faire des pièces utiles, des pièces mécaniques. Par exemple, j'ai un pegboard, là, vous savez, une planche trouée là, qu'on met des crochets pour accrocher des choses comme dans les garages. Et puis les composantes, on dirait que je parle en informatique. Les pièces que je fais, mettons, pour mettre mes pinces ou mettre mes tournevis, sont toutes en PETG. Je vais fermer ça, j'ai plus besoin. Sont toutes en PETG parce que c'est plus résistant que le PLA, c'est moins cassé un petit peu. Donc, filament Eason PETG, super beau résultat. Je l'aime bien. À vrai dire, je l'aime beaucoup. J'ai trouvé plus facile que Neat un petit peu à imprimer. Quand je dis que je l'ai trouvé plus facile, c'est que ça a été plus facile de trouver les bons settings. J'ai fait des tests aussi en PETG avec ça ici pour voir le pontage, pour voir la rétraction, ce qui était bien. Puis j'ai fait des tests ici avec aucune rétraction. Puis j'ai imprimé de 200, j'ai commencé à combien? 235 jusqu'à 255. Puis dans toutes les températures, j'avais un bon résultat. Alors, même si je me trompe de quelques degrés, c'est un filament qui donne pas mal de chance, on va dire ça de même. Par exemple, si je compare au Select PLA, le Select PLA, si je l'imprimais à 215, c'était la catastrophe. Puis si je l'imprimais à 225, j'avais du stringing, il fallait que je l'imprime exactement à 220, puis je garde ma température. À date de ce que je peux voir, le filament d'Eason, du moins le PLA et le PETG, quand même que je me trompe de 5 ou 10 degrés, ça va super bien faire. Donc, vraiment content du PG d'Eason. Ça va rentrer dans une de mes marques que j'aime beaucoup. Alors, il est un petit peu plus cher que le Value. Il est pas mal dans les mêmes prix que le Neat. Mais je dirais qu'il est pas mal dans les mêmes qualités aussi. Donc, puis le Neat, vous savez, j'aime beaucoup le Neat. Maintenant, alors ça, c'était pour le PG. Il nous reste un troisième filament à voir dans cette vidéo-ci. Et c'est pas le moindre. C'est le nylon. Le nylon ou PA, comme vous voulez. Peut-être que vous n'avez jamais imprimé du nylon, peut-être que oui, mais c'est quand même assez, ça peut être particulier d'imprimer du nylon. On peut avoir plusieurs défis, puis c'est de ça que je vais vous parler. Alors j'ai imprimé ces pièces-là, j'ai imprimé deux fois le même vase. Pourquoi j'ai imprimé des vases? C'est que je suis en train de rebâtir mon enclos fermé, puis pour imprimer des grosses pièces en nylon, ça prend un endroit fermé. J'ai du nylon, mais en 2.75. Mais c'est pas la marque Eason que je peux imprimer dans mon Ultimaker qui est fermé là. Mais normalement, j'imprime ça sur ma Little Monster, mais j'ai pas mes côtés présentement. Alors, il était endommagé. Il faut que je les refasse. C'est pour ça que j'ai imprimé des petits vases. J'ai pas réussi à imprimer une grosse pièce. Juste pour vous montrer, ça, c'est un vase que j'ai manqué parce que j'ai oublié de mettre le fond. Mais il a quand même imprimé au complet. Mais je vais vous montrer. Vous savez que si je prends un vase comme ça en PLA, je le crase entre mes doigts, il va éclater en morceaux, il va casser, il va se délaminer. Maintenant, je vais vous montrer avec le nylon. Alors, je vais zoomer un petit peu. Alors, vous avez ici celui qui est vide. On le voit comme ça. Alors, je vais l'écraser entre mes doigts. Il a cassé ici, mais regardez.
Alors, voyez-vous, pourtant, je l'écrase entre mes doigts. Et, évidemment, il y a des parties qui sont délaminées. Mais, il reste quand même en place. Si je tire dessus, évidemment, ça va se délaminer. Mais, maintenant, je prends cette partie. Ah, il est en mode vase. Hein? J'ai de la misère à le casser. Alors, je prends cette partie-ci. Je peux la chiffonner. Et voilà. Donc, le nylon est un super beau filament. C'est super intéressant d'imprimer du nylon, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais vous parler un petit peu. Le nylon va être utilisé dans les environnements de production, les environnements industriels, soit pour faire des gabarits, pour faire des pièces de support, tout ça, parce qu'il résiste, il est très, très, très résistant à la friction, puis il se déforme pas facilement. Il est assez commun, mais il peut être assez difficile d'impression. Le nom, alors on peut l'appeler du nylon, du PA ou du polyamide. Faites attention, il y a plein de sortes de nylon. Il y a plein de types de nylon. Malheureusement, je ne connais pas assez ça, mais j'utilise normalement du PA ou du bridge de Tolman. Tolman a plusieurs sortes de nylon. Alors, les deux que j'ai trouvé bien, c'est le PA ou le bridge de Tolman, ou le nylon de celui de Isson est quand même relativement facile à imprimer, on va dire. D'accord? J'ai pogné du nylon, par exemple, de 3D Spark, qui était impossible à imprimer. Alors, si, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre, une fois, qui a essayé d'imprimer du 3D Spark, puis qui m'a dit, je te lance le défi d'essayer de l'imprimer. Ces filaments-là, est impossible à imprimer. Ils ne collent pas ensemble, ils se déforment, c'était incroyable. Donc, restez loin du 3D Spark nylon. C'est un filament, c'est un défi technique. Donc, l'origine du nylon, 1935. Et savez-vous pourquoi ça s'appelle nylon? N-Y-L-O-N. C'est pour New York et London. New York, London. N-Y, London, L-O-L. Ça fait nylon. L-O-N. Nylon. Alors, je l'ai appris en faisant cette petite étude-là. Le fini, alors on a un beau fini, mais c'est difficile de ne pas avoir de stringing, d'avoir des cheveux ou des filaments ou des toiles de ring. Il y a différentes variétés aussi. Il y a du nylon mélangé avec du carbone. Il y a du nylon mélangé avec principalement du carbone. Je pense que je n'ai pas vu à d'autres choses que du carbone. Il y a le PCTPE, c'est polycarbonate et flex. Non, c'est pas celui-là. Donc, à part le nylon mélangé avec du carbone, j'en ai pas vu d'autres. Le nylon mélangé avec du carbone, avec du moins de la fibre de carbone, c'est extrêmement coûteux. Mais c'est tellement... J'ai eu un 20 mètres d'échantillon. Je pense que l'échantillon que j'avais eu coûtait, je pense que c'était autour de 250$ le kilo. J'ai eu 20 mètres d'échantillon, j'ai imprimé quelques pièces, mais ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement résistantes, les pièces imprimées comme ça. Donc, c'est ça. Température entre 245 et 300 degrés Celsius, dépendamment de la variété de nylon que vous allez avoir. Donc, évidemment, c'est recommandé d'avoir un plein métal pour imprimer du nylon. La plateforme, entre 40 et 60 degrés. Je ne recommande pas de dépasser 60 degrés. Puis, on va parler pour l'adhérence ou l'adhésion. Ensuite de ça, le coût moyen, c'est entre 50 et 100$ le kilo, c'est-à-dire entre 35€ et 65€. Je considère ça comme une impression pour des gens qui sont avancés en impression 3D. Okay? Commencez pas avec le nylon, vous allez trouver le temps long. Résistance, je l'ai mis 5 sur 5. Alors, ce n'est pas nécessairement sa rigidité, mais sa résistance. La rigidité rend dans la flexibilité. Okay? Mais c'est très, très résistant à la friction. C'est très résistant en général. Vous avez vu, là, je l'ai chiffonné. Oui, c'est délaminé, mais le col est très résistant. Il ne se défait pas facilement. L'adhérence entre les couches est excellente quand je suis dans le bon environnement. Flexibilité, j'ai mis 3 sur 5. Alors, même si ça semble très flexible, là, lorsque j'ai une pièce qui est un peu plus massive, oui, il y a une certaine flexibilité. Ça ne cassera pas, par exemple, comme le PLA. Le PLA, j'ai imprimé un hélice, ce que je lis ici. Je vais vous montrer une pièce en nylon. Bougez pas. Ça ici, c'est une pièce en nylon que j'ai fait sur la Ultimaker avec un filament spécial. Mais c'est un nylon qui est assez dispendieux, qui est assez coûteux. Mais la pièce est très résistante. Elle a une certaine flexibilité dans ses pales. Alors, c'est pour un démonstrateur. Je vais aller le reporter. Donc, c'est très résistant. C'est très, très durable. Ça résiste à plusieurs produits chimiques. Allez voir sur les... chaque manufacturier peut être un peu différent. Là, donc, allez voir chez le manufacturier. Par exemple, Tolman le dit. Isson, je ne sais pas s'il dit... D'ailleurs, en passant, Isson envoie une feuille avec plein de détails sur leur filament. J'ai trouvé ça pas mal bien. Est-ce que ça dit nylon? Oui. Alors, nylon, c'est marqué
transparent, éco-environnemental, il est très résistant, résistance à l'huile, résistance aux produits chimiques. Donc dans les paquets Essen, il y a tout ça ici, puis il y a un petit guide à l'arrière que je trouve pas mal utile. C'est-à-dire quelle température l'imprimer, mettre le bed, il parle de flexibilité, puis il y a plus de données techniques à l'arrière de ça. Je pense aussi qu'on peut l'avoir sur le site de Essen. D'accord? Ensuite de ça, sur quoi ça adhère? La seule chose que j'ai réussi à bien faire adhérer, mais il y a deux choses. J'ai réussi à faire bien adhérer le j'avais pas fini, excusez-moi, déformation. Déformation 3 sur 5. Alors, il se déforme un peu lorsqu'il refroidit. Lorsqu'il refroidit, la pièce va rapetisser un petit peu, donc il faut prendre ça en note. Bon, sur quoi ça adhère? Il y a deux choses sur lesquelles j'ai réussi à faire adhérer. Le premier, c'est du fixatif à cheveux. Ça adhère quand même bien, mais j'ai eu de meilleurs résultats avec de la colle PVA. La colle PVA, c'est de la colle blanche de charpentier. Alors, c'est important qu'il n'y ait pas d'ajout de différents produits dedans. Donc, c'est vraiment juste de la colle PVA, de la colle blanche de charpentier. Ici, on en a au Québec, que c'est de la marque... j'en ai juste ici. Je vais aller chercher la bouteille, ne bougez pas. C'est celle-là ici. Alors, de la colle Lepage, c'est marqué « Multi-usage, colle blanche, colle à bois, non toxique, devient translucide en séchant. » Donc, puis en France, je pense que c'est de la Giotto, G-I-O-T-T-O, me semble, qui fait aussi. Cette colle-là, c'est de la colle PVA, puis je dois la mélanger 33% de colle, 66% d'eau. Changez pas les proportions, sinon soit ça ne collera pas, ou quand vous allez décoller votre pièce, le bed va arracher avec. Donc, 33% de colle PVA, 66% d'eau, vous mélangez ça. Maintenant, quand votre bed est froid, vous l'étendez également dessus, vous faites chauffer votre bed, ça va sécher, ça va devenir transparent. Vous ne le verrez plus, mais vous allez voir, ça va coller dessus. C'est le meilleur résultat que j'ai eu. Puis celui qui m'a donné le truc, c'est quelqu'un chez 3D Printing Canada qui m'a donné le truc parce que c'est un ingénieur. Puis lui, il fait des grosses, grosses pièces. Mais vraiment grosses pièces, qu'en nylon, il fait des gabarits. Puis il m'a dit, puis il imprime des prints de 40-50 heures là-dessus. Puis il dit, tu n'auras pas de problème. Puis quand ça refroidit, ça décolle bien. Et il avait raison. Ça colle vraiment bien. Donc, colle PVA. Problème connu, évidemment, difficulté d'impression, très difficile d'adhérence sur les longues impressions, déformation, fait que ça prend une chambre fermée idéalement, fait beaucoup de stringing, puis une longue rétraction peut causer des obstructions dans la buse ou dans le pont. Pour avoir un beau fini, imprimez lentement, pas trop lentement parce que votre filament va brûler, 40 mm par seconde, c'est une bonne vitesse. Activez la roue libre entre 0.2 et 0.4, dépendamment du filament. Faites une rétraction de 3-4 mm à 40 mm par seconde, un peu plus rapide. D'accord? Faites partir l'impression dans le coin d'une pièce. Ça vaut même pour le PLA ou pour le PG. Évitez de croiser les parois. Avoir une chambre tempérée. Il y a un endroit où il n'y a pas de vent. S'il y a du vent, la pièce risque de se délaminer. Et le plus important, déshydrater votre filament. Alors, moi, j'ai sorti une vidéo là-dessus. J'ai un déshydrateur à légumes que j'ai transformé en déshydrateur à filament. Puis avant, comme là, il est à l'air, là, ça fait quelques heures, il va falloir que je le déshydrate. Alors, le nylon peut absorber jusqu'à 25% de son poids. Par exemple, 1 kg, je pourrais montrer à 1,25 kg juste parce qu'il absorbe énormément d'eau. Donc, déshydratez-le à chaque fois. Puis, c'est une déshydratation de 4 à 6 heures. OK? Dans ma chambre, à déshydratation, si on veut, j'ai un taux d'humidité qui tourne autour de 7-8%. Je le laisse là pour pouvoir faire une belle impression. Sinon, j'entends crépiter et l'eau sortir. En passant, il y a quelqu'un qui m'a dit « Pourquoi on ne fait pas de la déshydratation sous vide? » Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une chambre à vide ici. Ici, je me suis fait une chambre à vide. J'avais un vieux compresseur de déshumidificateur. J'ai pris le compresseur, j'ai fait une chambre à vide. D'ailleurs, je vais vous en parler prochainement de ça. Mais je l'ai essayé, puis ce que ça fait, c'est que dans un endroit fermé, le taux d'humidité ne baisse pas parce qu'il reste tout le temps un petit peu d'air. Là, parce que, mettons, j'ai mis ça dans un sac puis j'ai mis un détecteur d'humidité dans le fond. Il reste quand même un petit peu d'air, mais l'humidité reste là quand même. On dirait que l'humidité ne sort pas de la pièce. Alors, l'eau ne sort pas, puis ça a de l'allure que sous vide, les choses ne sèchent pas parce que l'eau n'est pas évaporée. Elle n'est pas aspirée non plus, c'est juste l'air qui est aspiré. Donc, ça n'a pas changé le taux d'humidité. Je l'ai mis sous vide, ça n'a pas changé du tout le taux d'humidité. Je l'ai fait dans la chambre qui est juste ici à côté de moi,
la chambre à déshydratation, si on veut, le déshydrateur à légumes, excusez-moi, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, non, sous vide, je n'ai pas réussi à le déshydrater. Peut-être que vous avez des trucs. Si vous avez des trucs, dis-moi-le, parce que j'ai une petite chambre à vide ici. Je peux aspirer aussi des sacs. Puis, bref, dites-moi ce que vous pensez, puis on va essayer de le faire. S'il y a des moyens plus rapides de déshydrater le filament que passer 6 heures à l'écouter sécher. Donc, maintenant, qu'est-ce que je pense du filament Eason? Alors ça, c'est une pièce ici que j'ai imprimée. Ça a été super facile. Les premiers paramètres ont fonctionné, sauf pour, évidemment, quand j'ai imprimé le fond. Puis, n'oubliez pas, lorsque vous imprimez des pièces comme ça, OK, que Cura ou Simplify 3D, ici, va ralentir la vitesse. Ce qui fait que le rond est plus petit, ici, il est plus grand. Alors, il va imprimer plus lentement, puis vous allez voir votre colle. Des fois, le filament va être brûlé ou vous allez avoir une moins bonne adhérence intercouche dans les grands espaces, comme qui est arrivé ici. Alors, comme cela ici, j'ai modifié un petit peu les paramètres d'impression parce qu'ici, il est allé plus vite que Oulcol. Puis on voit Oulcol, ça l'a très, très bien adhéré, mais pas ici. Ben, c'est quand même bien adhéré, mais ça aurait pu mieux adhérer. Alors, ce que j'ai fait dans lui, je lui ai dit de ne pas tenir compte de... dans Simplify 3D, ça dit de baisser la vitesse d'impression, mettons, jusqu'à 20 ou 30% lorsque une couche fait de moins de 15 secondes. Donc, j'ai simplement désactivé cette section-là, puis j'ai spécifié la vitesse. Donc, la vitesse est égale pour la même. Je l'ai imprimé à 30 mm par seconde pour avoir ce résultat-là. Puis, le résultat est juste fantastique. Alors, c'est pas mal plus résistant que le PLA. Je dirais plus flexible que le PG. Puis, c'est ça. Alors, au niveau de la friction, le nylon est très résistant. Donc, vous pourrez regarder pourquoi on utiliserait du nylon. Mais le nylon de Eason, qui ont appelé le EPA, est facile à imprimer pour un nylon. J'ai eu du nylon pas mal plus difficile que ça à imprimer. Puis, donc, en général, les filaments de Eason sont quand même faciles à imprimer. Il y a aussi le Sparkling Blue qui est ici, là, que je peux enlever de la bûche. Je vais trouver les cutters, puis je vais vous le montrer. En passant, un truc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'impression 3D. Une des pires choses qui peut vous arriver, c'est d'avoir un filament croisé, comme ici. Alors, j'ai lâché mon filament et mon filament s'est croisé. Donc, ce qui va arriver, c'est lors de l'impression, ma prochaine impression, le filament va coincer avec d'autres. Alors, ce qu'il faut faire pour ça, c'est absolument le décoincer, le décroiser, parce que c'est sûr que ça va être la catastrophe lors de ma prochaine impression. Alors vous voyez, et voilà. Donc, jusqu'ici, il n'est plus croisé. Je le roule à nouveau. Laissez en commentaire ceux qui... Bon, vous voyez, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, laissez dans les commentaires ceux qui s'est déjà arrivé que leur filament était croisé, puis que ça leur ruinait une impression à cause de ça. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises, puis on dirait que je ne me dompte pas. Donc, je vais le passer dans les petits trous qui sont prévus à cet effet ici. Bon, alors le PLA E-Twinkling. Il me fait penser un petit peu au Sparkling Blue, qui, je crois qu'il m'en reste. Je vais le trouver dans mon étagère. Alors ici, j'ai le Sparkling Transparent Blue, puis le E-Twinkling. Je dirais que les brillants sont plus gros dans celui de Eason. On les voit un petit peu mieux. Celui-ci, ici, a plus de petits brillants. Je dirais que l'effet est un petit peu mieux avec celui de Eason, mais celui de 3D Printing Canada, là, il est un petit peu plus luisant. Donc, si j'avais imprimé cette pièce-ci avec celui de 3D... Ben, les deux, c'est 3D Printing Canada, mais lui, c'est Eason, puis lui, c'est la marque 3D Printing Canada, ou du moins, il est rebrandé 3D Printing Canada. Il aurait été plus luisant, mais on aurait moins vu de brillant. Tandis que lui, il a des gros brillants, je trouve ça beau. Alors, j'aime peut-être un petit peu mieux lui. J'aime un petit peu mieux le Eason que celui, le Sparkling Blue. Le Sparkling Blue est quand même très, très beau. C'est un filament que j'aime bien aussi. Donc, on a vu trois types de filaments. Le PLA, le PG, le nylon. On a vu comment les imprimer. Puis on a vu aussi le filament Eason. Donc, ma première opinion sur Eason, c'est que c'est un super filament. Peut-être que vous l'avez déjà essayé. Ça ne veut pas dire que les autres filaments ne sont pas bons, là. Mais peut-être que vous l'avez déjà essayé. Mais dites-moi si vous arrivez à la même conclusion que moi. Puis, je dois avouer que mon coup de cœur est définitivement pour le bambou. C'est exceptionnel. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que je vous aide à découvrir de nouveaux filaments. Moi, j'aime bien ça, en découvrir d'autres. Je vais découvrir aussi le Sakata 3D, qui est un filament espagnol que je vais faire dans les prochaines semaines, peut-être dans un mois.
Je vais parler d'un autre filament et j'ai d'autres petites choses qui s'en viennent aussi, dont ben, je vous garde la surprise. Alors, j'ai deux grosses nouveautés qui s'en viennent. Restez à l'affût des prochaines vidéos qui vont sortir. En passant, j'ai imprimé ça. La plupart des impressions que vous voyez ici, c'est, ben, du moins celui-ci, puis ben, le Benchy, a été fait avec mon nouveau kit Full Metal Micro Suisse qui va super bien. Alors, j'aime bien les Direct Drive, puis on voit le petit Benchy ici. Et voilà, que il n'y a pas de ghosting. Alors, je trouve ça fantastique. J'imprime à, je crois que c'est 30 mm par seconde ou 40 mm par seconde. C'est pas très rapide. Ça a pris 1 h 30 à imprimer le Benchy, mais le résultat est splendide. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci aussi à tous ceux qui supportent la chaîne. Je vais avoir les remerciements qui suivent à l'instant avec les noms. Merci beaucoup à tous les supporters de la chaîne et un merci spécial à Christophe Janot et Jean-Claude Mignot. Merci beaucoup, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.